Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors que les classes n'étaient pas prêtes, Valérie Pécresse s'amuse à clasher un lycéen. Point of view, Valérie Pécresse vient dans ton lycée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le découvre. Hein. C'est ça qui était pas prêt. Tu m'en verras. Ça coûte? Oui, c'est bien. 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 C'est vraiment son attaque Pokémon. L'attaque Pokémon de Valérie Pécresse, c'est vraiment punchline sortie de champ, c'est vraiment ça. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Valérie Pécresse, c'est Bryce de Nice. Elle casse un lycéen. Oh, je t'ai cassé. Et elle se barre. On lui dit qu'on a commencé les cours dans des salles pas prêtes. Donc là, grosso modo, c'est quand même embarrassant, quoi. C'était pas prêt. Bah, ça arrive. Madame la présidente de région, parce que nous, en fait, on a cours dans des salles, elles sont pas chauffées, y a pas de matériel, on est par terre. Bah, ça arrive. Heureusement qu'elle est pas présidente de région, heureusement que c'est pas de sa faute, parce que sinon, ça pourrait être embarrassant. Mais là, comme c'est pas de sa faute, elle peut se contenter de dire déso, pas déso, bisous. Tu m'en verras, ça coûte ? C'est terrible. Non, mais un étage entier de... Eh, tu sais combien ça coûte ? Elle l'engueule, quoi. Oui, c'est en l'occurrence, en face d'elle, elle a un jeune qui a bossé son dossier, quoi. Là, dans la tête de Valérie Pécresse, à ce moment-là, il y a un singe qui... Eh tiens, merde, c'est vrai, ça, il viendrait pas des contribuables. Aucun rapport, hein, vraiment, j'ai fait plein de bonnes économies. Bah déjà, ça reste à prouver d'une part. Et puis alors là, c'est une vraie déflexion. Hein. C'est vraiment une véritable esquive. Elle parle de toute autre chose. C'est un hors-sujet, hein, bien évidemment. J'ai fait plein de bonnes économies. C'est pas la question, Valérie Pécresse. La question, c'est que les lycées dépendent de la région. Notre lycée, il y a des salles de classe où on peut pas avoir cours. Et donc, j'ai fait plein de bonnes économies. Bah, a fortiori, si tu as fait plein de bonnes économies, tu aurais dû pouvoir faire en sorte que notre lycée soit fonctionnel à la rentrée. Ah oui, parce que qui les avait pas réparés. Bah toi, du coup, t'es présidente de région depuis bientôt 10 ans, à mon avis, toi. Hein. Qui les avait pas réparés? Ah là, il attend, le silence, hein, qui n'avait pas réparé. Ah non, terrible, terrible. Et les lycéens derrière, oh, elle t'a cassé. Oh putain, Valérie Pécresse, c'est Bryce de Nice, quoi. Ah mais là, le contre-son-camp est absolument monumental. Hein. Qui ne les avait pas réparés? Bah toi, non. Elle se sauve. En vrai, c'est lamentable. Hein. Elle a utilisé une pirouette qui est fausse. L'argument, il est totalement irrecevable. Il fonctionne simplement sur le fait que les lycéens en face savent pas vraiment depuis quand elle est en poste, près de 10 ans. Donc l'argument est complètement faux. Et elle se contente de le dropper comme une punchline et de se barrer en légende quand on est réduite à utiliser des armes rhétoriques d'une telle déloyauté, des arguments à ce point fallacieux devant des lycéens qui en réalité sont sur le point de te clouer le bec. Ils sont tellement sur le point de te clouer le bec que t'es obligé de fuir en te donnant l'apparence d'une grande princesse. C'est vraiment que t'as aucune conscience de tes responsabilités. Enfin là, c'est d'une tristesse mais consommée, quoi. Valérie Pécresse, hein, qui ne déçoit pas, toujours debout, toujours debout.